J'ai eu le bac mention méga bien. Hein. C'est le bac quand t'as 22 de moyenne. Ouais. On est deux en France à l'avoir eu sur Terre. Allez, c'est parti! Donc, qu'est-ce qu'on doit faire déjà? On a des quêtes. Oh, Sablette! Oh, Sablette, on va l'appeler. Salbette le Sablette. Au revoir, Sablette, à jamais, hein. Oh, il m'a protégé. J'ai protégé Chenille Papou! Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait pour. Mais c'était fou! On cherche un Immobilisorbe ici, hein. Il n'y avait pas d'Immobilisorbe. Il avait dit ce serait bien qu'on trouve un Immobilisorbe. Attention! Oh, mais avec. Mais ici, on roule sur la zone, hein. Grâce à la puissance de Vibraquin. Paf! Oh là là, pas super efficace, mais je l'ai one shot. Oh là là, mais il est trop intelligent, Chenille Papou. Galekid veut se rejoindre. Oh, Galekid, ça peut être sympa. On va l'appeler. Petit passier. Jean-Claude! Comme dans Titeuf. T'as vu comment il fait le méga fier? Hey! On dirait une musique de russe. Hey! 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 J'aime la vodka et la Sibérie. Moi, dans la vie, j'aime le goulag et la vodka aussi. Alors, allez, abri. Il s'est fait défoncer le hors-la-loi. Omae wa mou shindeiru. Nani? Jean-John monte au niveau 30. Je vais pouvoir faire encore mieux. Oh là, Jean-John. Il peut en faire encore mieux. Alors, vous m'avez dit que c'est A plus B, hein, pour récupérer de la vie vite. Mais putain! Je perds autant de PV que j'en gagne presque. C'est horrible la tempête de sable. Si tu. Ça... Coucou! Mais putain! Je suis dans la mer. Attendez. Capacité abri. Tu te fous de ma gueule. J'ai raté mon abri. Comment on peut rater abri? C'est une attaque sur soi. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ah, ils ratent toutes leurs attaques. Allez. Et hop là. Capacité, vibre à quoi? Putain, je suis à secte. À secte. Plus beaucoup de PV là. Oh, il y a un mec. Vas-y, John, vas-y. Hein. Vas-y tout seul. Hein. Putain. Mais je suis mort à sa place. Mais non, mais je suis mort à sa place. Je l'ai protégé. Du coup, j'ai pas fait la quête, on est d'accord. Du coup, je l'ai dans le cul. Oui. Pas grave, j'ai eu l'XP, c'est le plus important, c'est l'XP, vous savez. Tu dors, fifou, il faut admettre que cette journée a été riche en surprise. Jean-John, tu sers à rien, nique ta race, nique ta bonne race. Il faut faire confiance à Noctunois. Putain, Jean-John, vous savez, ce Pokémon, si je l'avais devant moi, Jean-John, vous savez ce que je ferais? Je prendrais ceci. Hein, c'est un. Vous le voyez mal, mais c'est un marque-page transparent, ok? Je lui enfoncerai dans l'anus. Nani! Après, je le ferai tournoyer comme ça. Du coup, je lui ferai plein de fissures anales. Après, je lancerai. Et j'espère qu'il aurait très très mal. C'est un peu gore. Oui, mais en même temps, putain! Ah, les tâches habituelles. Bon, on va pouvoir se venger, là. Mais j'ai un milliard de quêtes dans le désert du Nord. C'est abusé. À partir de l'étage 8, j'aurai un truc à faire à chaque étage. Non, mais stop! Tape-le, là! Putain, mais John, quoi! Pire connard de tous, quoi. Il veut pas taper sur les ennemis. On va les couilles, frère. Oh là là, un hors-la-loi repéré. Merci beaucoup pour ton don. Attends, sérieux, c'est Corillon, le hors-la-loi. Je vais te péter la gueule. Vous êtes prêts pour le vent argenté? Chenille Papou, maintenant! Et une brochette de pour la table 2. Alors, ta maison de monstre? Chenille Papou, je t'aime. Encore? Mais putain, c'est la fête dans mon slip là. Il s'est fait one shot. Oh là là, beaucoup trop fort. Enfin, bref. J'ai fait genre 30 missions, j'ai gagné 134 000 XP. Parfait. Je me demande où en sont Créfadé et ses amis. Mais mec, t'es vraiment une victime. Ta gueule. Laisse-moi dormir. Quand j'y pense, je n'arrive plus à trouver le sommeil. Mais je m'en fous. Moi, je le trouve le sommeil. C'est la nuit. Je dors. Je suis un humain. Moi, tu sais là d'où je viens, hein? J'avais un ordinateur, j'avais un Tamagotchi, j'avais des Pokémon. Là, je me retrouve, je me noie, je sais pas pourquoi je suis transformé en carapuce de merde. J'ai même pas de pénis pour me branler, pour me déstresser. Je dors sur un lit en paille, on me prend 90% de ce que j'ai, et le monde est menacé. Alors maintenant, ta gueule, Jean-John. Voilà, ta gueule.
Excusez-moi, c'est venu du cœur, mais c'est vrai que ça sortait tout seul. Ah, ça y est. Quelle est cette sirène? Le shérif adjoint Magnetti est ici. On a qu'à attraper Masco. Bah mince alors, il a réussi. Nocturnoir veut vous dire au revoir. C'est pourquoi il espère que vous viendrez le voir. Et dis donc, mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et dis donc, on dirait que Nocturnoir n'est pas arrivé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma bite! C'est un gouffre dimensionnel. Attention, reculez, à l'instant où vous le touchez, vous êtes aspiré par le futur, soyez extrêmement prudent. Alors le plan a fonctionné? Comme sur des roulettes. Alors lui, c'est le virilos, hein. Le grand Nocturnoir! Tout le monde, faites place! Oyez, aujourd'hui j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Enfin, Masco a été capturé. Mais j'ai aussi une bien triste nouvelle. Il est temps pour moi de regagner mon monde. Vous tous, je dois vous faire mes adieux. Ah, ok, à plus. Ouais. Sniff, je déteste les adieux. J'espère qu'on vous reverra un jour. Bouh, messieurs Nocturnoir, bouh. Allez, à plus. J'ai deux Pokémon à voir. Jean-John et Fifou. Ah, c'est nous, approchons-nous. Ah, donne-moi un truc. Vous deux, vous venez avec moi. It's raping time. Je savais que Nocturnoir c'était un fils de pute, je le savais que c'était lui le méchant. Bien sûr, c'était évident, c'est un Nocturnoir contre un Masco. Waouh, voilà, c'est bien fait, hein. Voyage dans le futur. Mais attends, putain, moi je veux pas aller dans le futur. Déjà je suis un Pokémon alors que je suis un humain. C'est ça le futur? Bah écoutez, navré de vous avoir fait attendre Maître Dialga, bien qu'ayant rencontré davantage de futurs que je l'avais compté. J'ai fini par réussir à capturer le traître. Je comprends tout à fait ce qu'il faut faire. Ceux qui cherchent à altérer le cours de l'histoire doivent être supprimés de l'histoire. Je m'en vais procéder à l'exécution. Ah ah, c'est donc ça le plot twist. Regarde, le jeu va être génial. Oh bah dis donc, je m'y attendais pas. Vous avez raison, Pokémon Donjon Mystère, c'est vraiment le meilleur jeu de tous les temps. What a twist! En fait, le gentil, c'était le méchant. Et il y a Dialga! J'essaie d'ouvrir la porte, mais elle est fermée à clé. Il n'y a aucun autre moyen de sortir. On nous a enfermés ici. Oh mon dieu, non, c'est terrible. Ouais, on se retrouve vraiment dans le futur! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si c'est vraiment le futur, comment on fait pour rentrer chez nous? Eh ben, on ouvre la porte. D'accord. Oh, bah, je les défonce. Ténéfix, facile. Ouais, ils m'ont bandé les yeux! Je n'y vois plus rien! Suivez-nous. Arrêtez de me pousser! Mais où est-ce qu'ils nous emmènent? Oh là là, non, je veux pas! Où est-ce qu'on est? Ils m'ont ligoté. Jean-John, je suis content de te voir. Tu vas bien? Bah ouais, ça va bien. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui va nous arriver. Si vous le saviez, vous ne seriez pas aussi calme. C'est Masco qui parle! Cette voix vient de par là. Et voilà, je savais. Masco, c'est la cour des condamnés. Il s'apprête à se débarrasser de nous pour de bon. Nani! Attends deux secondes, je peux comprendre qu'il veuille se débarrasser de toi, Masco. Mais pourquoi nous? On n'a rien fait de mal. Ne va pas t'imaginer qu'on est comme toi. Ça m'est égal. Tiens, regarde, pendant que tu perdais ton temps à t'énerver, tu vois, ils arrivent. Je suis un Ténéfix. Je suis chiant. Ce sont nos geôliers, ils ont chargé du sale boulot. Ce sont aussi les sbires de Nocturnoir. Quoi? Je suis méchant. Mais c'est Nocturnoir, c'est moi, Jean-John. Très bien, Ténéfix, débarrassez-moi de ces trois-là. Nani! Ne gaspille pas ta salive, tu ferais mieux de te taire, mais là, plutôt en sourdine. Masco est d'accord avec moi. Ta gueule! Les Ténéfix attaquent à coups de griffes. Oups, c'est l'horreur! Oh mais oui, ça pourrait couper les cordes. Exact, si jamais ça se produit, dégagez le passage avec une attaque et fuyez. Ah, ou, ah, hi, ah, ah, ou, ah, ah. Alors moi, comme j'aime bien voir souffrir mes Pokémon, je propose que je parte me chercher un verre d'eau. Hein. Enjoy, hein. Alors, est-ce que Jean-Jean est mort? Ah bah non, toujours pas. Peut-être qu'il faut que j'attende, hein. Et est-ce que vous pensez que si on attend assez longtemps, il y a Jean-Jean qui meurt? A few moments later... Ah mais ils sont trop cons, hein. Malédiction! Quel pandard, ce Masco! C'est quoi ce bruit dégueulasse, là? C'est le bruit des Pokémon qui... Ok. C'est, je crois que c'est le bruit des Pokémon qui courent, en fait. On est dehors! Incroyable! C'est notre monde dans le futur! Ces pierres flottent littéralement dans les airs. Ah, mais voilà ce qu'ils voulaient faire! Ils voulaient voler les rouages du temps pour les amener dans le futur. Quand il a fallu fuir la cour des condamnés, on a collaboré avec toi parce qu'on n'avait pas le choix, mais on n'a jamais dit qu'on continuera à te suivre. Un méchant Pokémon comme toi, je ne suis pas prêt de te faire confiance. Alors comme ça, c'est moi le sale type, et Nocturnoir, lui, il est doux comme un agneau. Comment tu expliques le comportement de Nocturnoir? Ah, mais ça ne veut pas dire autant que je dois te faire confiance. On dirait que c'est pas facile de gagner ta confiance.
Mais en même temps, mec, ta gueule, quoi. Genre, c'est normal que je te fasse pas confiance. C'est ici que nos chemins se séparent. Non, putain, mec! Ce monde, votre futur, c'est un monde perpétuellement plongé dans l'ombre. Le soleil ne se lève jamais, le jour non plus. L'ombre perdure. Mais pourquoi? Parce que la planète est paralysée. Parce qu'on a plus de rouages du temps. Ça y est, j'y suis. Noctu Noir en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il disait? Rien que moins que provoquer la paralysie de la planète. Oui, non mais merci, je me rappelle en fait. J'ai encore du mal à comprendre comment on arrivait de là dans le futur. Vous écrivez de croire que ce que je dis. Quoi qu'il en soit, je vous suggère de quisser cette cachette. Je vous laisse, rappelez-vous, les téléfics sont le truc. Mais vite, on échange Jean-John contre Masco. Oui, les téléfics, vite. Tiens donc, comme c'est pratique. Regardez ce qui s'est téléporté avec moi dans le futur. Ma banque. Nous serons toujours à vos côtés pour vous aider à entreprendre. Oh bah dis donc, c'est bien pratique ça. Il y a des oh non, pas des magnétiques. Hein. Putain, il y a des armures et tout. Oh là là. I wish I was a type acier. Oh là là, un gros ray. Merde, quel con. Attends, mais je suis con, j'ai... Morsure. Je cherche un escalier. S'il vous plaît. J'aime bien quand j'explore tout l'étage de merde. Mais putain. Lâche-moi le fion. Mais putain, j'ai fait toute la map. Il y a pas d'escalier de merde dans ce jeu de... Pardon, excusez-moi. Dans ce jeu incroyable, évidemment. Les donjons vont être horribles. Oh là là, j'ai tellement hâte. Oh. Oh, chut. Non, mais Mongol. Mais gros Mongol. Mais qu'est-ce que tu branles? Mais... Ah oui, c'est vrai, je suis encore en mode attaque. J'avais oublié. Mais c'est la fête dans ton string, là. Oh là là, putain. Allez, s'il te plaît. Et voilà, de merde. Eh, je peux pas bouger. Oh, ce skill. Et voilà. Oh, il est gros. Comme ma bite. Putain, Onyx, il fait peur. Il m'a explosé dessus. Oh, le fils de pute. Et il m'a explosé dessus, il y en a un autre derrière. Ah, mais putain de merde. Aïe, je me fais exploser dessus. Mais non, mais attends, mais stop. Je veux pas me faire... On fait abri, et ensuite on fait morsure. Oh, et là, je me protège. Mais ça marche pas, la protection! Pourquoi ça marche pas? Mais putain, magnéton, maintenant! Mais c'est pas possible, c'est gangbangland, ici! Enfant du fun! Putain de merde! Je fais un save state, parce que j'ai vraiment pas envie de refaire cet étage. C'est horrible. J'espère que c'est pas... Coucou. Putain, je suis en train de me faire défoncer! Fifou, regarde, est-ce que c'est la sortie? Oh, putain, dis-moi que c'est la sortie. Allons voir. Cette cascade est bizarre, l'eau ne coule pas, le G2 est carrément figé dans les airs. Masco aurait-il raison? Le temps serait-il vraiment arrêté dans le futur? Ton cri dimensionnel, sers-toi de ton cri dimensionnel, touche l'eau. Et non, il se passe rien. Ouh, j'ai de la chance au niveau des escaliers pour l'instant, c'est bien. J'ai beaucoup de chance au niveau des escaliers pour l'instant. Je me plains pas. Putain, mais il est trop beau. Mais ah non, il est super moche. Mais attends, c'est quoi cette posture? Pourquoi il est comme ça de profil? Voilà, flinch. Voilà, très bien. Oh putain, j'ai trouvé direct l'escalier. Oh putain, pour le coup, j'ai vraiment eu de la moule sur les étages. C'était donc vrai, le futur est plongé dans une ombre abyssale. Oui, putain, mais bien sûr. Le grand Noctunin est venu nous sauver plus d'une fois, nous avons beaucoup appris. C'est pour ça que j'avais beaucoup d'admiration, mais se pourrait-il qu'il se soit joué de nous? Même après tout ce qui s'est passé, je n'arrive pas à y croire. Non mais ça se voyait que c'était un méchant, mais il est... Jusqu'où on va devoir courir comme ça à la fin? Comment on fait pour rentrer chez nous? La guide me manque tellement, Sniff. Je meurs d'envie de tous les revoir. Faut que je fasse quelque chose pour lui remonter le moral. Tu sais, Fifou... Si c'est un pote, c'est pas vraiment homosexuel. No homo. Yes. No homo, indeed. Allons retrouver Masco. Quoi? Tu veux qu'on se lance sur les traces de Masco? Il y a quelque chose que je veux savoir. Tu veux savoir quelque chose? Ah, d'accord. Eh bien, moi, je ne peux pas lui accorder ma confiance. Eh ben, Jean-John, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre parce que t'es une victime de merde. Moi, je te suis depuis 7 épisodes. Je me tape la communauté Pokémon Donjon Mystère qui a le cul tellement serré que tu peux même pas mettre une épingle à nourrice à travers. Et j'ai essayé... Mais je m'en fous que tu veux pas lui expliquer la conscience, c'est moi le let's player, ok? Bon alors, c'est d'accord. Quand on l'aura retrouvé, on lui demandera. Super, mais d'abord, un nouveau donjon de 40 étages. Oui. Oh là là, mais je suis suivi. SVP de me lâcher l'anus, s'il te plaît.
Bon, je fais des... je sais que c'est chiant, mais je fais des save states parce que j'ai vraiment pas envie de refaire ces passages. Oh là là, mais alors les boules... Oh là là, mais c'est le festival des boules de nœuds d'enculade. Et le festival qui continue. Chut. Donnez-moi l'escalier. Non. Pour l'instant, ça va. La situation est sous contrôle. Pour combien de temps, je ne sais pas. Tiens, au fait, je me demande où en sont les deux autres. Mais t'es vraiment un enculé, Masco. Tu m'as laissé seul, en fait. Tu profanes cet endroit sans crier, et en plus, tu perturbes notre sommeil, et pour Corentul, tu tentes de t'enfuir sans même t'excuser. Qui va là? Qui êtes-vous? Tu oses nous mettre en colère, tu vas payer pour cet affront. Où êtes-vous? Sortez de votre cachette. Tu insinues que nous nous cachons? Oh là là, on dirait la communauté Donjon Mystère. Ah, Donjon Mystère, ah bah j'aime bien, mais c'est vrai que quand même, on voit que c'est un jeu pour enfants. Quoi, tu dis du mal de Donjon Mystère? Et puis, Donjon Mystère, c'est vrai quand même, quand même, bon, c'est des graphismes de DS de 2008, c'est pas non plus super beau. Attends, tu oses dire que les graphismes de Donjon Mystère, c'est de la grosse merde? Tu oses dire des choses pareilles sur Donjon Mystère, le jeu de mon enfance? C'est vous. Vous êtes Spiritomb, en fait. Voilà, c'est vous, vous êtes Spiritomb. C'est la commu Spiritomb, hein. Ouais, je vous taquine, mais si je vous taquine, c'est que je vous aime, au fond. On va dire, vous êtes déter, voilà. Cassos, oh, dans ta gueule, Métang. Les musiques sont super cool dans le jeu. Ça, c'est vraiment un avantage. Bon, bah, moi, je mange les pommes par terre, hein. Ouah, 157 la charge. Hey, voilà Masco. Ah, vous deux. Masco, ça va? Bah, non, Attention, il y a un ennemi tapis, pas loin. C'est la communauté Donjon Mystère. Vite, Fildrong, enfuis-toi. J'ai fait un commentaire qu'il fallait pas sur Twitter. Ah, regardez, je traduis ce qu'il dit. Fildrong, je trouve vraiment que tu es très critique avec la communauté Donjon Mystère. Est-ce que tu ne voudrais pas plutôt dire que tu n'aimes pas la communauté Donjon Mystère? Tu as fait un tweet qui fait une blague sur Donjon Mystère deux fois de suite. Ça veut dire que tu détestes Donjon Mystère et sa communauté. Hérétique! Au bûcher! Arrête! J'essaie juste de faire des blagues sur Twitter pour faire des likes. Mon nom est... La communauté! Une légion d'esprit! C'est vous! 108 spectres! C'est vous, c'est vous! Est-ce que c'est du gâchis là? Mais non, c'est pas du gâchis. Ah ouais, ça fait hyper mal, hein. C'était du gros gâchis, mais maintenant je sais ce que ça fait. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah, gars, non! Je suis en train de mourir! Ah, c'est moi contre la communauté, ça. Y fuyons! Tu vas bien, ça va aller. Tu peux te relever, il le faut. Arg. Ce Pokémon était sacrément rusé. Il a pris possession de mon corps en passant par mon nez. En même temps, t'as pas beaucoup d'autres trous. Alors, il aurait pu passer par ton anus, hein, mais... Spiritomb était probablement furieux que nous soyons introduits sur son territoire. C'était épouvantable. Il était dans une rage telle qu'il a perdu le contrôle de lui-même. C'est inutile de continuer si la confiance ne règne pas. Je m'en vais. Putain, mais je n'ai pas dit que je ne te croyais pas, pour être honnête, on ne sait plus ce qu'on doit croire. C'est pour cette raison qu'on cherche à en apprendre le plus possible. Et oui, c'est vrai, je n'ai pas encore compté mon copse. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Chapitre 15, le secret de la paralysie de la planète. La cause de la paralysie de la planète, ça remonte à votre temps dans le monde du passé. C'est l'effondrement de la tour du temps gouvernée par Dialga qui a entraîné le début de la paralysie de la planète. Dialga, qui est-ce? C'est le Pokémon légendaire qui contrôle le temps. Dialga s'assurait que le temps s'écoulait normalement depuis la tour du temps. Mais après l'effondrement de la tour du temps, le temps s'est mis à détraquer jusqu'à ce que la planète finisse par être complètement paralysée dans le temps. Qu'est-il arrivé à Dialga? Quand le temps a été chamboulé, Dialga a perdu le contrôle. À présent, ici dans le futur, la planète est complètement paralysée. Par conséquent, Dialga a presque totalement perdu la raison. Il s'est transformé en Dialga primal. Quoi? Des années avant Primo, Groudon! Dialga Primal ne ressent aucune opposition, il est gouverné par son instinct de conservation, et c'est pour ça qu'il refuse que l'histoire change. Nani! C'était la seule manière d'annuler l'effondrement de la tour du temps, qui était déjà entamé dans votre temps! Il est vrai que c'est un ruage du temps! Le temps s'arrête dans la région concernée, mais ce n'est que temporaire! Une fois les rouages du temps remis en place dans la tour du temps, partout le temps aurait remis au cours normal! D'accord. Non, c'est tout à fait logique. En souffrant intérieur, Jean-John sait que Masco dit la vérité, mais ça ne lui rend pas les choses plus faciles. Pourtant, où tu vas comme ça? Je vais rendre une petite visite à Noctunoir. Masco, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais retourner dans le passé pour empêcher la paralysie de la planète. Et pour ce faire, il faut que je trouve Celebi. Celebi?
Pendant ce temps-là, encore une cutscene. Oh putain, j'ai deviné avant qu'ils le disent. Maître Dialga, tout est fin prêt pour la capture des scélérats. Lorsque viendra l'heure, il se peut que nous soyons amenés à solliciter votre aide, Maître Dialga. Le problème, c'est que voilà, elle est un peu bizarre. Enfin bref, si j'ai pu venir dans le passé, c'est grâce à Celebi. Si nous trouvons Celebi, elle pourra nous renvoyer dans notre monde. Oui, elle le fera, mais... Ah, mais c'est une fille, c'est Celebi qui m'a envoyé dans le passé. Elle a contribué à changer le cours de l'histoire. Attends une seconde, tu veux dire que Celebi aussi va avoir des ennuis exacts. Dialga va s'en prendre à la... Tu veux faire du mal à Celebi Shiny? Alors, par contre, si je dois trouver Celebi Shiny dans les fleurs, la probabilité est assez rare. D'ailleurs, on m'a dit, hein, il faut que vous me confirmiez, mais on m'a dit que si je faisais 700 allers-retours comme ça, la probabilité de trouver Celebi Shiny augmentait. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais c'est rare. Ah. Bon, bah écoutez les mecs, ce fut un live très très stylé. Plein de gros bisous. Et puis, en attendant la prochaine, tchuss.